Louane, ce qu'elle aime, c'est faire du sport, être avec ses copains et copines. Elle n'aime pas trop montrer son handicap. Elle préfère vivre comme tous les autres. Et elle fait du sport avec comment dire, des personnes valides. Je fais du foot. Le nom de sa maladie, c'est la maladie de Marie Charcot-Tatt. Son handicap, c'est surtout une faiblesse musculaire. Au niveau de, ça atteint les nerfs périphériques et les muscles. Donc elle se fatigue beaucoup plus vite qu'un autre enfant. Elle essaye de marcher tant bien que mal, mais au bout d'un moment, elle fait que de chuter en fait. Au niveau de la motricité fine, tenir un stylo, ça lui demande beaucoup, beaucoup de force. Même manger, ça lui demande beaucoup, beaucoup de force et elle fatigue très, très, très vite. Il y a nous aussi, les parents, voilà, de, comment dire, de ne pas être négatif. Après, elle va commencer à arriver à un âge où elle va dire « Papa, maman, je veux plus que vous faisiez à ma place. » Louane, elle a besoin d'un fauteuil pour finir ses fins de journée ou bien même pour se déplacer toute seule, pour être plus autonome, pour pouvoir courir avec ses copains à l'école. Une fois qu'elle est dedans, en fait, elle peut gérer ses déplacements sans souci. Il y a un fauteuil électrique pour aller à la cantine et pour jouer. Au bout de, on va dire, au bout de même un kilomètre de marche, voilà, elle peut plus, elle est fatiguée et donc c'est nécessaire voilà, qu'elle ait un fauteuil. Elle a besoin de petits ustensiles en fait, rien que pour être autonome. Genre au moment de la douche, elle a tout le temps besoin de nous, mais elle aimerait bien être toute seule. Il y a des chaises qui existent où elle peut être autonome, à la hauteur de la pomme de douche, parce que là elle est trop petite. Même sans ça, c'est Louane, dans tout ce qu'elle entreprend, elle abandonne jamais. Elle a toujours le sourire, c'est une enfant, voilà. Je pense que beaucoup d'adultes devraient prendre exemple sur Louane.